Production littéraire sur la lutte contre le terrorisme, l'on retient le thème de soutenance de mémoire du sous-officier de police du nom de Seyon. Le policier met en avant la nécessité de la collaboration des forces de sécurité et des populations, représentation sociale entre les populations civiles et les forces de sécurité intérieure de la région de l'Est, difficulté de coopération en contexte de terrorisme au Burkina. C'est le thème de la production littéraire, Le Point avec Amadou Ilboudo et Moussaki. Avec une note de 16 sur 20, Gilbert Seyon, sous-officier de la police nationale du Burkina Faso, est désormais dans la grande famille des psychologues burkinabés. Un statut obtenu après avoir défendu brillamment sa thèse de Master 2, une thèse qui a eu pour thème « Représentation sociale entre les populations civiles et les forces de sécurité intérieure de la région de l'Est », difficulté de coopération en contexte de terrorisme au Burkina Faso. Tout en explorant ce thème, le sous-officier de la police nationale veut ainsi contribuer davantage à la promotion d'une bonne et franche collaboration entre les forces de sécurité intérieure et la population. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des difficultés de coopération sur le terrain entre les forces de sécurité intérieure, à savoir les corps paramilitaires et la gendarmerie et puis la population civile. Voilà pourquoi nous avons cherché un peu à comprendre à travers une théorie qui existe à nous, dans notre discipline, qui est la théorie de l'importance sociale. Donc, c'est la problématique qu'on peut comprendre pourquoi souvent les populations suivent certaines choses ou voient certaines choses et ne dénoncent pas aux forces de sécurité intérieure. Il a fait le tour de ce problème-là pour essayer de dégager des solutions, le contenu des représentations, en quoi on peut en tenir compte pour essayer de travailler et puis favoriser la collaboration entre les FCI, les forces de sécurité intérieure et les populations civiles. Pour l'impétrant Gilbert Seyon, son travail se veut un nouveau parcours dans sa carrière de psychologue grâce aux expériences vécues. Il a également insisté et interpellé davantage à faire de la collaboration entre les forces intérieures et les populations une réalité. Le désormais psychologue a rendu un hommage mérité à toute la hiérarchie policière pour son accompagnement dans ses recherches.